Bonsoir tout le monde. Merci d'être là malgré cette pluie battante, hein, parce que c'est pas facile de sortir. Hein. Oui, enfin, oui. Je vous présente Gilles Modica, qui vient pas souvent nous rendre visite. Hein, on le regrette un peu, il se fait rare. Oui, là, mais j'habite maintenant dans le sud de la France, donc Aix-en-Provence. Vous avez fait un mauvais choix là. Donc, non, je me suis rapproché de la Corse, mais je me suis éloigné de Chamonix, donc ça devient compliqué. Quoi. Gilles Modica, qui a publié chez nous quand même pas mal de bouquins, Les Grandes Premières du Mont Blanc, auteur aussi de 1865, L'Âge d'or de l'alpinisme, et auteur de Everest et Conquérant. C'est tout, non, ce que... Ah, il y a encore un autre petit bouquin qui s'appelle Vertige, ah, oui, qui est un recueil d'articles paru dans la presse. Exactement. Voilà. J'avais oublié. Et mais qui vient aujourd'hui pour... L'île-Montagne, la Corse, vue du GR20, ton jardin secret. Voilà, bah, écoute, oui, depuis pratiquement une trentaine d'années, ouais. Bon. Mais jardin secret, ouais. Peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas trop, tu peux te présenter, enfin dire, t'es auteur, journaliste, alpiniste. Alors oui, donc j'ai fait beaucoup de montagnes, difficiles pendant une bonne vingtaine d'années. Et ensuite, je me suis un peu reconverti dans l'histoire de l'alpinisme. Ça m'a, les récits des anciens m'ont beaucoup intéressé, m'ont permis de mieux me comprendre, en fait, de mieux comprendre mon expérience de la montagne. Et de fil en aiguille, donc j'ai travaillé pour la presse, Presse Montagne, Montagne Magazine, Trek Magazine... Et j'ai fait des livres donc, chez Guérin et chez Catherine d'Estivelle, chez Glénat aussi. Ce sont la plupart du temps en fait, des livres d'histoire de la montagne, d'histoire de l'alpinisme. Et donc là, ça fait une dizaine d'années en fait, que je suis constamment un peu dans les revues, les récits anciens, et de temps à autre, bon, moi, j'en sors. Alors, soit un livre où je retraduis aussi une partie de mon expérience, par exemple dans le massif du Mont Blanc. Soit un livre qui est plus un livre d'érudition, par exemple sur l'Everest. Mais en fait, mon expérience de la montagne, en particulier des situations difficiles, m'a permis de pouvoir à la fois mieux lire et mieux exprimer, disons que voilà, ce que j'avais pu ressentir à certaines époques. Et disons que le livre qui a été le plus personnel, c'est Les Grandes Premières du Mont Blanc. Que j'ai beaucoup grimpé dans le massif. Mais on va revenir à la Corse. Mais là, dans ce livre, je trouve que tu parles beaucoup de toi. C'est rare que tu parles de toi, en fait. Hein. Alors là, donc en fait, je suis allé en Corse. Mais enfin, j'y vais depuis une trentaine d'années. Donc j'ai fait énormément de montagnes relativement faciles en Corse. Du ski, de la raquette, un peu d'escalade. J'y vais en général hors saison, en fait. C'est ce que je dis dès le début. La Corse en été, c'est mort, c'est pas la peine. C'est cher, c'est... Tu vas pas pour la plage, quoi. Non, j'y vais pas pour la plage, non. Donc, juillet, août, juin, juillet, août, c'est pas la peine. Et donc, l'île montagne, là aussi, j'en parle dès le début. En France, il y a un problème, c'est les départements. Comme vous voyez, comme par exemple en Isère... C'est une entité administrative qui n'a pas de réalité. Ce qui a de la réalité, en fait, c'est les provinces comme le Dauphiné ou les vieux pays, la Savoie, l'Auvergne. Et ce qui est bien en Corse, justement, c'est que vous avez là, peu importe les départements, vous avez une île. Vous avez une réalité géographique, une entité bien définie, naturelle, culturelle. Et ça, comment dirais-je, vous vous attachez d'autant plus à ce type de donc à ce type de paysage, à cette géographie, alors que moi par exemple qui longtemps habité à Grenoble, pour moi l'Isère n'a toujours pas d'existence en fait, d'une certaine manière, parce que l'Isère c'est à la fois le Dauphiné, c'est le Lyonnais, c'est pratiquement aussi aux limites de la Haute-Provence. Attends, on va y venir. Je vais lire un petit peu, parce que si tu fais tout le bouquin sans que je lise, il faut que les gens ils entendent ta musique, qu'ils entendent un peu... Voilà. On va revenir à toi. Je ne suis pas corse. Je n'ai aucune ascendance corse dans mes aïeux méditerranéens. Je n'ai pas de cousin à Bastia ou de grand-oncle dans un cimetière de Lille. Je n'y possède rien. Je n'habite pas la Corse.
Mais j'ai souvent la tête en Corse, quand je n'y suis pas, la tête au grand air d'une île que je connais peut-être mieux que mon département d'adoption, l'Isère trop mal définie à mon goût, abstraction administrative sans réalité géographique. L'histoire ne modifiera jamais les limites de la Corse. C'est l'île à la forme immuable, immédiatement reconnaissable sur toutes les cartes de la Méditerranée. La mer a fixé ses frontières, la nature l'a créée. Sans racine corse, je me suis enracinée dans l'île à la sueur de mes ascensions et de mes vagabondages dans la montagne, si changeante, si vaste. Monter, c'est changer de climat. Marcher, c'est agrandir l'espace de son voyage. Mes racines, la Provence par ma mère, la Sicile par mon père, je porte le nom d'une ville moyenne à l'extrémité sud de la Sicile, près de Capo Passero, dans une montagne d'oliviers, d'amandiers et de vignobles. Ma grand-mère née Rossito à Avola, au sud-est de Syracuse, resta en vêtements noirs une fois veuve. Mon grand-père né à Tunis dans une famille originaire de Pantelleria, cette petite île entre la Sicile et la Tunisie, célèbre pour son vin, quitta en 1911 la Tunisie pour le Maroc dès l'âge de 15 ans. Manœuvre, puis maçon, naturalisé français, de chantier en chantier, il fit sa maison et sa vie à Rabat, dans le quartier européen de l'Agdal, jusqu'à sa mort en avril 65. Tous deux sont enterrés dans un cimetière de Toulon. Quand je regarde des images de la Corse d'autrefois, des portraits de femmes en vêtements noirs au lavoir, c'est ma famille de Sicile qu'elles évoquent, le monde de mes aïeux. Ça explique un peu... Oui, il y a aussi cette attirance, c'est-à-dire que, bon, effectivement, je suis plutôt un vieux méditerranéen, des deux côtés de la famille. Et j'ai connu... La Corse, en fait, c'est une île qui est restée longtemps très catholique, très marquée par le catholicisme. Et comme tous les rivages catholiques de la Méditerranée, on s'habillait en noir, en particulier les femmes. Donc, et en Corse, plus encore qu'en Sicile à une époque, les femmes étaient toujours veuves ou de quelqu'un d'une certaine manière, c'est-à-dire d'un proche, d'un cousin, d'un mari, elles prenaient le vêtement noir. Et j'ai connu ça dans ma famille, voilà. Donc quand je suis allé en Corse, là, c'était une trentaine d'années maintenant, il faut quand même reconnaître que les traits de l'île, la population de l'île est de plus en plus mélangée comme partout. Mais c'est vrai que vous trouvez en Corse, effectivement, ce vieux fond méditerranéen qu'on trouvait partout en Méditerranée occidentale, dans les usages. Alors bon, après, il y a des particularités de Corse, il y a la Vendetta et ainsi de suite. Mais voilà. C'est le folklore. Une île à la superficie démultipliée par ses montagnes, ses vallées, ses versants accidentés de 1500 à 2000 mètres, comparables au versant des Alpes. L'immense versant est du Monte Cardu se voit depuis les orangers de la plaine d'Aleria à 40 km de distance. Un versant froid, défendu par une jungle d'arbustes 2 à 3 mètres, d'aulmes bas ou rampants, le Bassou, où les sangliers se réfugient en période de chasse. Le Monte Cardu, sommet abrupt aux rampes d'aulmes et de fougères entre dalles et piliers, est un colosse, comme le Monte Padro, dans le nord de l'île, et quelques autres sommets, tous plus ou moins ensauvagés depuis le recul du pastoralisme. Tous déroutants de masse, de stature, de hauteur. Un seul exemple, un seul chiffre, 1800 mètres de dénivellation du village d'Asco, qui est à 600 mètres, village suspendu dans une pente de genévrier au sommet du Monte Padro, 2390 mètres. C'est la dénivellation de la Bérarde à un sommet de l'Oisan, tel que la tête nord du Roplat, 3442 mètres, ou la grande aiguille de la Bérarde, 3420 mètres. Oui, alors ce qu'on ignore souvent, c'est qu'en Corse, il y a plus d'une centaine de sommets qui font plus de 2000 mètres, et vous avez des grands sommets, et en plus, les départs, souvent, c'est à basse altitude. Et donc, vous arrivez à des dénivellations très importantes, comme par exemple le Monte Padro, effectivement. Le Monte Bianco, c'est pareil, c'est 1800 mètres, ce qui est énorme. Là, pareil, c'est dans le massif du Mont Blanc, vous avez, pour monter au sommet du Mont Blanc, vous avez, d'accord, bon, 3500 mètres, enfin un peu plus, mais vous avez les dénivelés moyens, en général, c'est 1500-2000. C'est comme si on regardait les aiguilles rouges, en fait, depuis ici. Non, c'est presque plus haut, parce c'est que là, ici, où on est à 1000 mètres. Non, 2000 mètres, c'est déjà c'est le sommet du Peigne, par exemple. C'est le Buet. Quasiment. Ouais. Ou le Buet, ouais, c'est énorme. Hein. Surtout qu'elle n'est pas très large, cette île. Hein. Non, elle n'est pas très large. Non. Le GR20,
Tralimonti s'accomplit du nord au sud, de Calanzana à Conca, on dit ? Conca, oui. Ouais, c'est Conca, ça. Ou à l'inverse, du sud au nord. Donc, en fait, dans la longueur, hein, par le même itinéraire. L'effort est plus progressif en allant du sud au nord avec des étapes en plateau, en crête ou à flanc dans des forêts de gros hêtres et de pins lariccio. Ces étapes mettent en jambe avant les gros dénivelés du nord, 180 km au total, 11 000 mètres de dénivelé positif. Chacun, au départ d'un col ou d'un refuge, pourra ajouter un ou plusieurs sommets à son parcours. Le prestige du GR20 n'a cessé de grandir en France et dans le monde. Le plus difficile des GR de France et de Navarre devient parfois sur Internet le sentier le plus dur d'Europe, ou mieux encore, le sentier le plus dur du monde. N'en jetez plus. Le superlatif absolu, c'est le chant des sirènes, personne n'y résiste. Pour tous les sites, pour tous les guides papier, le même refrain, la même rengaine, c'est le plus beau des sentiers, la perle du Nil, déjà recommandée par son superlatif grec, Calliste, la plus belle. Oui, alors... Le GR20, en fait, il est devenu, c'est quasiment une institution internationale maintenant. Donc, alors déjà pour les Français, il est très fréquenté par les Français. Et en fait, sur le GR20, maintenant, vous trouvez effectivement pratiquement la terre entière, y compris des Chinois en hiver, des Européens de l'Est, bien sûr, Sud-Américains. Et il y a une espèce d'inflation, en fait, parce que bon, longtemps, dans les années 70-80, on disait que le GR, c'était le plus difficile des GR français. Ensuite, on a dit effectivement, c'est le plus difficile, le plus alpin. Et puis, une inflation. Donc, maintenant, c'est pas seulement le plus difficile des GR d'Europe ou des sentiers d'Europe, c'est devenu le sentier le plus difficile du monde. Donc, du coup, ça fait un espèce de. Ça aimante un peu tout le monde, tout ce genre de gens. Quoi. Alors, c'est assez amusant parce que. Vous avez aussi des familles, hein, mais il y a énormément de gens, de gars qui viennent pour faire le sentier le plus difficile du monde. C'est amusant, parce qu'en fait, il n'est pas si difficile, loin de là. Mais bon. Alors, une particularité de la Corse, vent du sud, souffle des sables du Sahara, circonstance atténuante pour les crimes dans le droit turc à l'époque ottomane. Fléau de la Sicile, selon tous les écrivains siciliens du prince de Lampedusa, auteur du Guépard, à Leonardo Sciascia, facteur de cauchemars, de lubies, de pulsions, déneigeant en hiver, liquéfiant et desséchant en été, dans une même bouffée, gluant dans un ventre de chauve-souris, écrivait le romancier sicilien Brancarti, le Sirocco est un vent aussi capital dans le climat de la Corse que le Libeccio. Son influence se fait sentir dans toute l'île, particulièrement sur la côte orientale qu'il prend en écharpe, pénétrant jusqu'au bassin intérieur de Corte de Pontelleccia, un petit bourg sur le Golo, longtemps infesté de malaria en été, comme les côtes de l'île. Le guide Johan de la Corse date de 1903, recommandait en 4 séjours dans le bourg de ne pas sortir avant que le soleil soit dans le plein et de rentrer bien avant qu'il se couche. Le Sirocco excite les moustiques. L'air du Sirocco est humide, oppressant, lourd de poussière saharienne. Je souhaitais une année m'installer à Bastia, mais selon de grands connaisseurs de la Corse, comme Jacques Camizan, le Sirocco est roi à Bastia. Il soufflerait 5 jours par an, presque aussi fréquent à Bastia que le Sirocco, 90 jours par an selon le même auteur, le Levante. Vent du nord-est n'affecte que la côte orientale. En hiver, le Levante amène la pluie et parfois des jours de pluie diluvienne qui tombent en neige sur la chaîne centrale et sur le massif de la Castagneccia, accolé à la côte orientale. On appelle ça des retours d'est. On citera pour être exhaustif 2 autres vents, la Tramontane, le vent du nord, et la Grécale nord-est, de moindre importance. Le caractère corse, bile, susceptibilité, nervosité, a beaucoup troublé les historiens et les romanciers du 19e siècle. On a cité la malaria qui sévissait alors sur toutes les côtes de l'île dans les causes possibles de ce mauvais caractère. La malaria a disparu, la susceptibilité persiste. Le vent règne et gouverne en Corse. C'est la plus sensible, la plus suggestive, la plus mémorable des réalités corses. Le trait dominant du climat de l'île pour un type comme moi, campeur et randonneur en toute saison, singulièrement attentif au sens du vent et aux frissons de sa toile de tente, un facteur climatique aussi important que le vent n'est probablement pas étranger à certains excès dans l'histoire décousue de la Corse.
Donc c'est l'île du vent, alors, plus. Alors non, la Corse, c'est vraiment l'île du vent. C'est-à-dire que, bon, très honnêtement, moi, j'ai beaucoup grimpé dans le massif du Mont-Blanc. J'ai jamais eu des vents dans le massif du Mont-Blanc comme j'ai eu des vents en Corse. C'est pareil dans les Alpes, autour de Grenoble. Bon, vous avez des gros coups de vent, mais vous n'avez pas des coups de vent effrayants comme en Corse. Bon, là, il suffit de les bulletins météo, hein, de les écouter. Souvent, au Cap Corse, vous avez des vents à plus de 200 km/h. Et pourtant, on pourrait penser que les montagnes... Mais non, parce que justement, c'est une île, c'est au milieu de la mer. Donc, ouais. Le vent passe sur la mer. Quand vous avez un coup de Mistral en Provence, vous avez aussi une Mistral en Corse. C'est un Mistral qui s'atténue pas sur la Méditerranée, qui prend presque de la force. Ouais. Et vous l'avez de plein fouet en montagne, en particulier en hiver. Quand vous avez des grosses tempêtes au mois de février, qui sont exceptionnelles en Corse. Et en montagne, vous avez des vents à 150, 180. Voilà, c'est ce que je raconte une fois, là, au Monte Padro, là. Une fois, j'ai des prix, quoi. J'étais vrillé comme une toupie derrière une crête, quoi. Il y a eu un rabattant, et boum, ça m'a balancé dans la pente, quoi. Ah ouais? Non, le vent, encore, c'est une réalité. C'est vraiment l'île du vent, et de plusieurs vents. Donc, alors, effectivement, il y a des coups de Mistral là, énormes, mais vous avez aussi le vent du sud, le fameux Sirocco. Alors, le Sirocco, ici, on l'a de temps à autre. C'est le vent qui fait la neige jaune, le feun. Par exemple, quand on parle de changement climatique, ce qu'on oublie de dire, c'est marqué en particulier par la fréquence des vents du sud. Et c'est les vents qui font fondre les glaciers. Voilà. Le Sirocco, il y a énormément. Bon, cette année, il y a eu presque 3 semaines de Sirocco, par exemple, en Provence. Ça a beaucoup soufflé. Et ça, c'est vraiment destructeur pour la neige. Ouais, ouais. Ouais, mars, c'était jaune. Hein. Voilà, oui, il y a eu un sacré coup. Hein. Alors en Corse, vous avez bientôt, l'année où j'ai fait le GR20, c'est monté à 41 degrés à Ajaccio, un coup de Sirocco. C'était en mois de juin ? C'était en 2019, au mois de juin. Ouais. Ça peut monter à 41, 43, on est à la limite de presque 45 bientôt. Alors là, vous avez un espèce de ciel nébuleux, c'est très curieux comme temps. Ouais, ouais, on est sous un sèche-cheveux, quoi. Ah, complètement, ouais. C'est le souffle d'un sèche-cheveux, et puis surtout ça fait une luminosité très particulière, ouais. C'est très curieux le Sirocco. Et là, ça vous pompe en 2 heures de marche. Là. Et donc c'est ce qui explique le caractère corse, plus que la malaria. Alors le Sirocco, en fait, dans toute la Méditerranée, il a toujours été très craint, en particulier en Sicile, entre autres, mais en Afrique du Nord aussi, hein, c'est le vent du désert, c'est le vent qui vient du sud. Ouais. Vous avez la même chose en Égypte, vous avez le Simoun, le Kamzin, c'est des vents du sud, c'est des vents qui changent complètement l'atmosphère, vous montez d'un coup en quelques heures à 40-45 degrés, et vous vous sentez bizarre. Ça vous donne des rêves bizarres, agressif, alors j'ai l'impression. Souvent assez agressif, ouais. Des rêves d'agression, oui, justement, c'est très curieux. Ouais. Ouais. Ça, partant de Sirocco, vous avez facilement des cauchemars, des cauchemars marquants, effectivement. Donc voilà, c'est pour ça que j'en parle, et je pense que le caractère corse, alors après, bon, le caractère corse, on peut l'expliquer, il y a plusieurs explications, hein. Mais bon, il y a eu la malaria aussi, hein. Visiblement, oui, ils l'ont plus longtemps qu'en France, quoi, ça c'est évident. Ah oui, tout à fait, c'est les Américains qui ont supprimé la malaria en fait en 1944, lorsqu'ils ont installé un aérodrome à Bissonach. Ils ont bombardé, la Corse a été libérée en 1943, et ils ont immédiatement installé des avions en Corse. D'accord. Et donc Bissonach, c'est dans une région de marais, les marais sont très près. Et donc, ils ont saturé avec le DDT pour supprimer le moustique. À partir de là, la malaria, il y en a eu beaucoup moins. Donc, ça a été systématiquement traité 45-50. Ouais. Tous les étangs que vous avez, l'étang de Bigoulia au sud de Bastia, c'était infesté justement de moustiques. On va retourner au GR. Alors, le GR. Vous allez faire le GR20. Ça, c'est quand tu montes dans un taxi. Je ne pouvais pas mieux tomber. Ce jeune homme est un de ces lièvres qui courent dans la montagne corse depuis quelques années. Un trailer dans le jargon franglais, contemporain, un amateur de course à pied dans la langue d'hier. Le succès du trail est aussi massif en Corse que sur le continent. La trentaine, sportive, lunettes de soleil, un coude à la fenêtre ouverte, une main sur le volant, conduite détendue sur la route de Conca, mon lièvre me détaille quelques-unes des 70 à 80 courses organisées chaque année sur l'île, dont une en hiver, le Trail Blanc, dans les gorges de la Restonica,
annulée cette année faute de neige. Je me suis fait répéter le chiffre. 70 à 80 ? Courir en montagne est furieusement à la mode dans l'île de Beauté. On court dans la neige de janvier autour des lacs de la Restonica, dans les gorges de Taviano, en juillet sur les falaises de Bonifacio et au mois d'octobre sur les chemins littoraux du Cap Corse dans le pays d'Ajaccio. Il y a 50 ans, la Corse tournait plus ou moins le dos à ses sommets. La Corse des montagnes n'attirait que les chasseurs et un cercle plutôt restreint d'alpinistes ou de randonneurs dotés de quelques livres qui semblaient indispensables, les 100 plus belles courses et randonnées de la Corse d'Henri Agresti et Jean-Paul Quilici et le guide Michel Fabricant. Sur les montagnes corses, un travail particulièrement soigné et précis, cet ancien amiral datait sa passion pour les montagnes corses d'un lever de soleil sur la mer au sommet de l'Incudine, à 2134 mètres, dans le sud de l'île. Michel Fabricant fut le principal artisan du GR20, sondé par Guy de Gauss, ingénieur des forêts, et Marcel Schluck, un inspecteur général de la jeunesse et des sports. Avant Michel Fabricant, aucune description exhaustive des montagnes corses n'avait été publiée en français. En fait, c'est incroyable, c'est tout nouveau, quoi. Enfin, ah, mais c'est tout nouveau, oui. Par exemple, pour donner un exemple, il existe un guide des escalades en Kabylie de 1948, avant la Corse. C'est-à-dire que les Français étant en Algérie, assez rapidement, bon, ils ont exploré dans le désert, ils ont grimpé, entre autres, Prison Roche. Ah oui, c'est vrai. Et en Kabylie, vous avez ce qu'on appelle en Djourdjoura, vous avez énormément de falaises, il y a beaucoup de voies qui ont été ouvertes par des Français, donc des pieds noirs, et le premier guide date de 1948. Ce qui veut dire qu'on a grimpé, on a plus grimpé en Afrique du Nord qu'en Corse. Ça a précédé, voilà. Ouais, ouais. La Corse a été une découverte très très tardive, c'est quasiment les années 60. Mais il y a aussi les Allemands qui sont arrivés... Oui, alors les Français, eux, si je puis dire, ont découvert la Corse après les Allemands et les Anglais. Après les Allemands et les Anglais, c'est voilà, sympa tout quand à même. Fait. Mais comment et pourquoi les Allemands sont venus en Corse? C'était par rapport à la guerre ou... Non, pas du tout. C'était au début du XXe siècle, en fait, par curiosité. Bon, ils savaient qu'il y avait des montagnes, donc ils sont venus. Et effectivement, ils ont trouvé ça particulièrement beau. Et il y a eu une tradition longtemps, d'ailleurs, chez les Allemands, c'est d'aller faire le GR20. On appelait ça le GR des Allemands à une époque, dans les années 70. Les trois quarts des randonneurs étaient des Allemands. Ça a beaucoup... C'est une très très grande réputation, la Corse, hein, pas seulement donc, pour les montagnes, pour la mer, aussi pour le kayak, les descentes, enfin, etc. De terre sauvage, quoi, qui plaise. De terre sauvage, oui, et puis bon, très original, puisqu'en fait, dans toutes les îles de la Méditerranée, c'est la plus montagneuse et de loin. Les Alpes, pour les alpinistes anglais du 19e siècle, étaient un terrain de jeu. C'était dit avec le flegme et l'humour de ces grands connaisseurs agacés par le ton dramatique d'une certaine presse. L'un des plus célèbres alpinistes de la période, Leslie Stephen, titra ainsi ses souvenirs dans les Alpes, le terrain de jeu de l'Europe. Terrain de jeu, l'expression encore courante dans tous les milieux de la montagne, choquait Julie, professionnelle de la randonnée accompagnatrice sur le GR20, en charge des sentiers autour du col de Bavella, où je l'ai rencontrée devant la fontaine de Canon. Un terrain de jeu, ça se contrôle. La montagne, c'est la nature. Et la nature, c'est incontrôlable. Une erreur d'itinéraire dans le brouillard, un faux pas sur du rocher mouillé par la pluie, un coup de vent glacial sur une arête trop exposée, une brusque averse de neige sur des dalles, ça se paye cher sur le GR20, comme sur n'importe quel sentier des Alpes. Passons sur les accidents d'hiver, par avalanche ou par refroidissement. Accident, tout ce qu'il y a de plus compréhensible vu la nature du terrain et les extrêmes possibles de l'hiver. On sera plus étonné par les tragédies du printemps ou de l'été corse. Le corps se refroidit vite vers 1500 mètres, 2000 mètres aux altitudes du GR20. Un coup de vent fait la pluie et le beau temps. La chance ou la malchance d'une journée de marche ordinaire. Il faut d'autant plus craindre la tempête qu'on chemine en crête ou en plateau sur le toit de la Corse. Engagement tout relatif, il existe de nombreuses échappées sur les deux flancs du GR, de multiples chemins vers des vallées protégées. Encore faut-il connaître ces chemins ou les repérer à temps avant la bourrasque. Dans les premiers jours de juin 2002, fouetté par les vents et la pluie sur le plateau de Cochion, sous l'Incudine, quatre randonneurs de la Moselle se réfugièrent dans un refuge non gardé du plateau vers 1400 mètres. L'un d'entre eux, une femme de 49 ans, mourut dans la nuit d'hypothermie et de fatigue.
Les trois autres randonneurs, très affaiblis, furent évacués sur l'hôpital d'Ajaccio après cette nuit d'épreuves impensables pour qui sous-estime le vent de l'île. Plus récemment, fin 2007, un coup de vent neigeux fit trois morts par hypothermie en divers lieux du GR20. On a l'impression quand même qu'il y a énormément d'accidents là-bas. Hein. Non, alors ce qu'il y a, c'est que j'ai recensé les accidents donc sur une vingtaine d'années. Donc on arrive. Non, on se dit, bah, c'est quoi là. Plus dangereux que le Tour du Mont Blanc. Ah bah de fait, c'est plus technique que le Tour du Mont Blanc, ouais. Le GR20. Donc, Ah oui, c'est plus physique, c'est plus technique. Il faut mettre les mains à certaines reprises. Ouais. Mais non, ce qu'il y a encore, c'est qu'on y va, c'est la Méditerranée, donc on y va décontracté. On y va souvent, effectivement, bon, avec très peu de vêtements. Ici, on s'habille. En Corse, on se déshabille. C'est l'inverse. Ouais. Donc, du coup, là, dans la mesure où vous êtes tout près de la montagne, il suffit quoi, une heure de voiture. Vous partez de la côte, il fait 30, 35. Ouais. Vous montez, vous n'avez pas grand-chose, vous partez en pull, et c'est pour ça qu'il y a eu un certain nombre d'accidents. En général, c'était des touristes ou des randonneurs de la journée qui se disaient, tiens, il y a un GR dans le secteur, on va aller faire une petite étape. Et d'un coup, le vent tournait, et deux heures plus tard, ils se retrouvaient en tenue de plage, ou à peu près, à 2000 mètres. Et donc, c'est là que ça peut aller très vite. L'hypothermie, effectivement, en tenue de plage. Alors, en plus, si les gens n'ont pas le réflexe de se protéger du vent, là, c'est réglé. Quoi. Ça peut aller très, très vite. Mais non, bon, évidemment, hein, c'est pas le carnage. Hein. C'est simplement que je recense les différents accidents sur une vingtaine d'années pour illustrer un peu le propos. Quoi. Donc, dans le livre, tu racontes aussi... Tu racontes pas mal de choses, tu reviens en arrière, en avant, enfin, tu es aussi dans ta balade, donc dans le dernier GR que tu as fait, donc qui était au mois de juin. Bientôt midi. Je peine. L'ardeur du soleil dans la remontée sur le col de Bavela me rappelle des heures torrides de Castille après Burgos, le chemin de Compostelle par 40 degrés à l'ombre sous un parapluie en guise d'ombrelle. À 5 minutes du col de Bavela, où je m'attends au pire dans la variante alpine, probable fournaise car orientée sud, je ne résiste pas au plaisir de me rafraîchir à la fontaine Canon, aux pierres tapissées de nombrils de Vénus. Canon signifie tout bonnement canon. Une allusion possible au trou de la bombe, si mal nommé dans la chaîne à l'aplomb du col de Bavela. L'eau d'une source ou d'une fontaine rassemblait les hommes et les femmes jadis, avant l'eau courante à domicile. Grégor Rovius le dit d'une phrase dans son voyage en Corse, dans le brûlant midi, une source d'eau devient une source de poésie et de sociabilité. Sans la fontaine de Canon, je n'aurais probablement pas autant parlé avec Julie, cette accompagnatrice pour qui la montagne corse n'est pas un terrain de jeu. La fraîcheur, l'écoulement d'une fontaine délie les langues. Je connaissais le record de vitesse de François Dahaene sur le GR20. Julie me signale un autre record beaucoup plus facile à battre, le record de la lenteur. 33 jours, établi par un musicien à qui on offrait les repas et les nuitées. Blonde, enjouée, bien en chair, femme du continent, séduite comme tant d'autres par l'île de beauté, employée du parc pour l'été, Julie me laisse deviner certains ennuis vieux comme le monde, comme dans toutes les communautés, des jalousies inévitables. Vivre en Corse, et surtout travailler en Corse, y faire sa vie, y gagner sa croûte, soulève d'autres problèmes qu'un voyage de voyeur ou qu'un raid de randonneur. Julie, qui m'a tutoyée d'office, s'entend bien avec les hommes corses, trop bien pour les femmes de ces messieurs. Ouais, bah là, c'est... c'est le sud. C'est le grand classique, hein. C'est un grand classique. Oui, bah là, de toute façon, à Chamonix, c'est pareil, hein. Oh, je pense pas, non. Non, je pense pas. Non. Non, enfin, des jalousies peut-être, mais il n'y a pas. Non, mais les jalousies, les on-dit, ouais. Les rumeurs, les ragots et ainsi de suite. Par contre, oui, effectivement, encore, dans la mesure où c'est une île, ici, il y a énormément de brassage. Ouais, en Corse, il y en a moins. Donc, et à partir du moment où vous avez un milieu un peu restreint, là, forcément, il peut y avoir des tensions. Et en plus, c'est une continentale. Et oui. Donc, elle peut être très, très vite beaucoup sollicitée. Ouais, alors, effectivement, voilà. Mais pour en revenir aux sources, sur le GR, puis encore, c'est des lieux importants, les sources. Oui, bah oui, bien sûr. Ouais. Donc, comme dans tous les pays méditerranéens, comme en Espagne, ce qu'il y a, c'est que maintenant, évidemment, vous avez l'eau courante, vous avez les refuges, ainsi de suite.
Mais malgré tout, la source sur le GR, quand vous trouvez une source, bon, vous êtes aux anges, quoi, parce que bon, effectivement... C'est... Elles sont répertoriées, j'imagine. Oui, oui, elles sont répertoriées, oui. Parce que toi, tu racontes que tu pars avec juste ton sac, une bouteille pour la remplir au, à la source, ouais, d'eau. Oui, c'est ça. Et à un moment donné, tu perds ta bouteille. Oui, alors en fait, même... sur le GR, de toute façon, vous avez quand même des refuges maintenant. Donc, vous avez plus près, plus d'une douzaine de refuges. Donc, vous avez toujours de l'eau, d'une certaine manière. Ouais. Alors après, il y a aussi de l'eau courante en Corse, enfin de l'eau, l'eau des torrents. Ça, au mois de juin, l'eau coule partout, hein, en particulier dans la partie nord, ouais, parce qu'il y a encore des névés. Donc, non, l'eau, ça pose surtout un problème fin septembre, en fin de saison sèche. Là, effectivement, bon, vous avez beaucoup de torrents qui sont à sec, vous avez beaucoup moins de sources. Donc du coup, une source d'autant plus d'importance. Quoi. Mm. Voilà. Mais ça, c'est dans tous les pays méditerranéens, si vous marchez en Italie ou ailleurs, ou en Espagne particulièrement, bah oui, l'eau tout de suite reprend toute sa valeur. Hein. L'eau d'une fontaine, l'eau d'une source. Et donc toutes les bergeries sont construites autour d'une source, quoi. Alors, s'il y a une bergerie, il y a toujours une source. C'est impossible de vivre autrement. Hein. Mmh. Donc partout en Corse, vous avez des sources. Simplement, il y a des sources qui sont taries, il y a des sources qui ont disparu. Mais à partir du moment où vous voyez une bergerie, vous savez que dans un rayon autour de la bergerie, vous pouvez trouver une source. Mais en fin septembre, en octobre, par exemple, c'est à sec, souvent. Et il n'y a pas que de l'eau en Corse. Il y a aussi, vous allez voir, plateau au cœur des forêts de deux vallées. Le col de Verde est traversé par une route élargie dans les années 2000 sur le versant oriental. Une petite auberge au col, sous l'auberge, un étagement de bungalows en forêt. Je bois le café à l'auberge, mes lunettes oubliées sur la carte tombent et se cassent sur le dallage au moment où je replie la carte. Pas de rechange possible dans mon sac. Me voilà myope pour le restant du parcours, incapable de définir les traits d'un visage à 10 mètres de distance, condamné à un certain flou dans la perception du voisinage et l'anticipation du terrain. Pas grave, tu le connais par cœur, hein ? Non ? Oui, non, là, oui, bah, de toute façon... T'es en pays connu. Ouais. Mais les renards sont vigilants et tenaces dans les forêts du col de Verde. Sous tente, au col, à mon premier GR20, j'avais laissé un sac de mangeaille à mes pieds. À la nuit, un renard plante ses crocs dans la toile. Je bourre son museau de coups de pied, sans résultat. J'ouvre la tente, je lui jette des pierres. S'écartant au lieu de s'enfuir, le renard bondit dans la tente, me pince à la cuisse droite et se retire dans l'obscurité où il tourne autour du campement. Il disparaît enfin dans la forêt après un coup de lampe dans ses yeux. Le renard sur neige se glisse volontiers dans le creux plus ou moins marqué d'un sentier. Je me suis fait précéder comme ça par un renard en mars 2009, lors d'une montée vers la Boca, à Scafa, dans le massif des aiguilles de Popolasca, sentier étroit dans un vallon accidenté. Mes traces suivaient ou côtoyaient les siennes jusqu'à la Boca. J'avais pris à main gauche vers la dent d'Asco, l'escalade du jour, en chalant dans une neige de plus en plus profonde aux approches de la dent. Le renard avait obliqué à main droite sous le sommet de Turonne, dans le versant d'Asco, ses traces croisées là-haut dans l'hostilité de l'hiver, à 4 ou 5 heures de marche d'un village assoupi, ça crée une forme de complicité. Mais il y a beaucoup d'animaux, j'ai l'impression, en lisant le bouquin. Ah non, mais en Corse, oui, bien sûr. Ben, de toute façon, là, c'est il y a pareil. Aussi le renard, quoi. Alors, je pense que c'était une renarde, hein, mais à mon avis... Mais... Parce qu'à Chamonix, on a des renards, mais j'ai jamais entendu d'agression de renard. Enfin... Non, non, à Chamonix, mais non, mais là, c'est complètement différent. Ouais. Chamonix, c'est très habité. Oui, oui. Non, ce qu'il faut voir, c'est qu'en Corse, vous avez seulement 350 000 habitants le reste de l'année, de résidents permanents. Ouais. Et les montagnes corses, ça s'étend sur pratiquement 200 km. Alors, vous voyez ce que ça veut dire. Ouais. 350 000 habitants, une agglomération comme Grenoble, c'est pratiquement 500 000. Donc, rien qu'à Grenoble, vous avez plus d'habitants à Grenoble qu'en Corse. Ouais, ouais. Donc, les habitants sont plus vers les côtes, en plus, non ? Et en plus, 80% ou 90% de la population corse vit sur la côte. Quoi. Mm. Donc, le maquis, la montagne corse, c'est beaucoup plus désert, en fait, que la montagne dite continentale. Quoi. Voilà. Ça, il faut le savoir. C'est pour ça que vous avez beaucoup de renards, vous avez beaucoup de sangliers, vous avez beaucoup de cochons sauvages. Voilà. Et alors, il y a aussi un chat renard. Il y a un chat renard, là, il y a toute une histoire sur le chat renard, il y a eu plusieurs papiers, il y en a eu un dans le monde qui a fait pas mal de bruit. En fait, c'est un croisement, alors ils sont en train de chercher, effectivement, entre le chat et le renard. C'est c'est un chat sauvage avec une queue particulière, on pense que c'est issu d'un croisement.
En ce moment, ils sont en train de chercher, ils en avaient capturé. Il y a eu un papier, il y a eu plusieurs papiers, il y en a eu un dans le monde en particulier, qui était assez développé. J'en parle assez longuement là, dans, le, ouais. dans un chapitre, sur ce mystérieux charonard. Et effectivement, il y a toute une région là où on conçoit très bien que puisse, oui, il y a des croisements. Bah c'est chouette de dire qu'à l'heure où la biodiversité diminue. Ah mais tout à fait. Hein. Non non mais encore. On trouve encore des animaux qui n'existent pas ailleurs, quoi. Ah mais tout ouais. à fait, ouais, ouais, bien sûr. Mm. Bon, c'est pas l'Amérique du Sud, c'est pas l'Amazonie, mais quand même. Ah ouais. On a des surprises. Alors. Et puis alors, il y a des gens qu'on connaît qui ont un peu traîné en Corse, dont Elbronner. Tu parles beaucoup d'Elbronner qui est venu pour faire des expériences. Après 10 minutes de recherche vaine dans le champ de son instrument, les yeux fatigués, douloureux, Elbronner doit recourir à la jumelle binoculaire de Salle pour apercevoir la lumière de Coudon. Sommet et fort à 702 mètres au-dessus de Toulon. Elbronner, dès lors, débute une période d'immense joie qui, toute la nuit, sauf pendant l'arrêt prévu de minuit à 2 heures, m'entretiendra dans un état de véritable bonheur surhumain par la vision constamment perçue de deux feux de Coudon et de Stello. Qu'est-ce qu'il fait en fait, Elbronner? Il cherche à relier la Corse au continent, la jonction géodésique de l'île. C'est le terme d'un long travail de 20 ans. L'étoile rouge de Coudon brille sans scintiller. Son éclat persista dans le champ de son cercle azimutal jusqu'à minuit. Descendu au gîte, Elbronner se repose avant de vérifier ses calculs. Au matin du 6 août, il rédige 2 télégrammes de victoire. L'un pour le commandant, le Drin, à l'arsenal de Toulon, et l'autre pour sa femme, logée à l'hôtel Vizzanova. Joie immense d'annoncer est observée merveilleusement Coudon toute la nuit. Succès, jonction désormais assurée en distance maxima. Donc en fait, Elbronner, c'est celui qu'on connaît là, puisqu'on a la pointe Elbronner. Alors voilà, on a la pointe Elbronner. Alors en fait, donc il a fait pendant une trentaine d'années un certain nombre de campagnes dites géodésiques pour déterminer très exactement l'altitude des différents sommets, le kilométrage respectif aussi. Et il a sorti un livre qui s'appelle « Une description géométrique des Alpes françaises » qui fait 13 volumes, avec c'est la hauteur de chaque volume, c'est ça, ça fait 500 pages, c'est totalement illisible, c'est bourré de chiffres. Mais alors, ce qui est la caractéristique d'Elbronner, c'est que lui, donc, il est obligé de rester au sommet pour faire ses mesures. Donc souvent, il montait avec plusieurs guides, et par exemple, quand il a fait la Meije, il est resté plusieurs heures. Des fois, il lui fallait des conditions de lumière bien particulières. C'est dans les années 20, donc ils n'avaient pas la photographie aérienne. Donc c'était essentiellement pédestre ces campagnes. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'au Rotondo, donc il a fait construire une cabane. Il est resté pendant plus de 15 jours au sommet du Rotondo. Qui a plus de 2000. Et alors une cabane qui existe toujours, où l'on peut toujours dormir. Non. Donc c'est une curiosité de la montagne corse, ce qui fait que quand vous arrivez au sommet du Rotondo, qui est le deuxième plus haut sommet de l'île, vous avez la cabane dite Elbronner, avec une plaque, la mémoire de la campagne géodésique. Il avait à son service un certain nombre d'officiers, puisque bon, à l'époque il y avait l'armée était cantonnée à Corté, il y avait un régiment à Corté. Et il a raconté ça, donc il a d'abord ce qu'on appelle stationné donc d'abord au sommet du Rotondo, ensuite au sommet du Tinto, où là il y a eu une tempête extraordinaire en plein mois d'août, il s'est fait littéralement expulser, la tente, etc. Enfin bon, bref, ce qui illustre encore ce qu'on disait sur le vent corse, et au Monte Stello. Ah. Et il a écrit, c'était sa dernière campagne, donc on sent, il l'a décrit avec une certaine passion, avec du sentiment. Souvent, c'est un style un peu froid, ses écrits. Mais là, tout ce qu'il a pu écrire sur la Corse, sur sa campagne en Corse, est particulièrement, effectivement, touchant. Ouais. Voilà. Et c'est peu connu, hein,
Ça devait être émouvant quand même de voir les lumières de la côte. Voilà, tout à fait. Alors il raconte ça très très bien. Alors moi, je suis allé plusieurs fois au sommet du Rotondo, mais en général, sur un sommet, vous restez quoi? Même en Corse, vous restez 2 heures au maximum ou 3 heures. Ah ouais. Et là, effectivement, du coup, on se met un peu à l'envier parce qu'on se dit, tiens, ben voilà. Passer la nuit, voilà. Il est resté plus de 15 jours. Il y a eu un vent terrible d'ailleurs. C'était en plein été, mais il faisait froid, il y a eu du vent. Et c'est vraiment, bon, moi je conseille. J'en ai parlé parce que c'est assez peu connu. Et le GR20 passe pas très loin du Rotondo. Il y a quand même 3 heures. Ouais, il faut 3 heures à peu près, 2 heures et demie, quoi. 2 heures et demie, 3 heures, de Petra Piana. Donc ça vaut le coup pour certains éventuellement de rester une journée de plus à Petra Piana, le refuge, et d'aller jusqu'au sommet du Rotondo. Voilà. Quand on fait le GR, on ne fait aucun sommet en fait. Si on fait l'Inkoudine, le premier grand sommet du sud, là, c'est l'Inkoudine, c'est à 2000 mètres. On y passe obligatoirement. Ouais. D'accord. Et l'Inkoudine, c'est pareil, c'est un point de vue exceptionnel, c'est un grand plateau, ça veut dire l'enclume, hein, l'Inkoudine. C'est un très haut plateau sur 8 km qu'on appelle le Cochion. C'est exceptionnel parce que vous avez des hêtres qui sont plus que séculaires. Et c'est très connu en Corse. Là, vous avez des sources partout, vous avez de l'eau qui coule. C'est une très grande curiosité, l'Inkoudine. C'est le sommet donc le plus au sud, le plus grand sommet au sud, l'Inkoudine. Est-ce que tu disais qu'il vaut mieux commencer par le sud ? Tout à fait, sauf que le sud, tu as quand même 2 étapes précédentes par les aiguilles de Bavela qui te permettent de te mettre en jambe. Et l'Inkoudine, il reste la montée à l'Inkoudine, elle est quand même bien tracée, ça fait quoi, 600 mètres de dénivelé au départ du refuge. Non, c'est relativement... C'est haut, mais c'est assez pépère. Ouais, Et c'est un très beau granit. Hein. Ouais. Non, moi, je pense qu'il vaut mieux partir du sud. Hein. Je ne sais pas si... S'il y en a qui veulent le faire. Qui veulent le faire, puis... Je confirme. Ouais, à mon avis, il vaut mieux partir du sud. La première étape par le nord, elle est vraiment rude. Hein. Elle est vraiment rude. Les 3 ou 4 premières étapes du nord, en plus, c'est du caillou, c'est affreux. Donc, il vaut mieux le faire dans l'autre sens, à mon avis, partant du sud. Ouais. Et en combien de jours en partant du sud Oh bah après c'est toujours pareil, on peut prendre son temps, marcher assez vite. Moi j'ai marché assez vite, je l'ai fait en 9 jours. Et juste la dernière étape, j'ai fait une demi-étape parce que bon, j'étais déjà monté à un refuge qui avait brûlé entre temps, donc je me suis dit je vais pas remonter à ce refuge. Bon, 10 jours c'est rapide, 15 jours c'est la moyenne, il y en a qui le font en 18-20 jours. Il y a des agences qui proposent des GR rapides en 5 jours aussi. Mais là, vous partez léger, des chaussures spéciales. Tu fais tout le tour ? Comment ? Tu fais vraiment en entier ? Oui, tu le fais en entier en 5 jours. Ouais. Mais ils n'ont pas de sac. En fait, ils doublent systématiquement. C'est-à-dire qu'ils font 2 étapes, voire 3 étapes en une journée. Il y a une voiture qui amène les sacs dans les... Surtout au refuge, on les attend, ils peuvent manger, dormir, etc. Ils se refont une santé, puis après ils continuent. Mais ils partent en basket, en short, un sac léger, juste un peu d'eau, puis c'est tout. C'est assez à la mode hein, de le faire en 5, 7 jours, chez les jeunes. Hein. Après, les familles, c'est 12, 15, voilà. 12 jours, il faut déjà bien marcher, hein, quand même. Puis ça dépend du poids que vous avez. Hein. Donc non, pour des gens normaux qui marchent normalement 12-15 hein, ouais. 15 jours. Ouais, c'est quand même le double du Tour du Mont Blanc. Ah, c'est le double du Tour du Mont Blanc, qui honnêtement, c'est beaucoup plus physique que le Tour du Mont Blanc. Hein. Mm-hmm. Honnêtement, le Tour du Mont Blanc, tu mets jamais les mains. Hein. Si mes souvenirs sont bons, c'est de la marche. Ouais. C'est tranquille, c'est pépère. Là, il y a quand même des sections où il faut vraiment... vous avez des câbles, ou alors il faut mettre les mains, il ne faut pas tomber... Il y a beaucoup de gens qui se font des entorses ou des jambes hein, sur le GR. Il y a le PGHM de toute façon sur l'île. Ah, il y a le PGHM de Corté. Hein ah, maintenant il y a l'hélico. Hein, ouais, non, il n'y a pas de souci. Hein. Par contre, le portable, il passe pas à tous les refuges. Hein. Il passe pas partout. Ah, il passe pas partout. Sur les crêtes, par contre, il passe partout. Hein. Ah, sur une crête en Corse, vous pouvez téléphoner au PG, il n'y a pas de souci. Et il y a quand même quelques drames parfois. L'orage aurait pu ne pas éclater ce 10 juin 2015 ou éclater plus tard en soirée. Sommet massif, la Punta Minuta, tout en n'étant pas la cime la plus élevée de la chaîne, en est le principal nœud orographique, le sommet central où les brumes bourgeonnent fréquemment. Le GR20 traverse son flanc rocheux occidental par un système de couloirs entre la Boca
Touma Ginesca. Et la, moi, je pardon pour la prononciation, c'est bien, vraiment. Et la Bocca Minuta. Ce versant très encaissé ne prend que le soleil de l'après-midi. Des dévers résiduels y sont observables au printemps. L'orage très localisé d'une extrême intensité dura environ 2 heures. Les brumes avaient alerté au moins une randonneuse, Annick Espinas. Elle les aurait signalées à un groupe de marcheurs qui s'engageait dans le cirque une demi-heure avant les premiers grêlons. Des randonneurs crurent plus prudents de s'immobiliser et de s'abriter durant l'orage. Avec raison, a priori, l'effondrement d'un névé résiduel sous le sommet de la Punta Minuta aurait provoqué l'éboulement. Une coulée de boue, de neige et de cailloux dévasta un couloir où les marcheurs se terraient sous leur cagoule. Ce jour-là, le centre de secours de Bastia reçut un appel de détresse à 15h07. 2 unités furent immédiatement mobilisées pour des opérations de secours scabreuses malgré l'équipement du cirque. Chaînes, échelles, câbles, le peloton de gendarmerie de la haute montagne de Corté et le groupe montagne des sapeurs-pompiers de Haute-Corse, une 50aine de sauveteurs au total avec 20aine de véhicules et 4 hélicoptères, dont un super Puma de la base aérienne de la Ventiserie de Solenzara. Fait frappant, révélateur du volume de l'éboulement et du terrain très accidenté au pied du cirque, il fallut 3 mois pour récupérer tous les corps accidentés. Dès le premier jour, les sauveteurs évacuèrent les corps de 4 victimes, 3 Français et 1 Belge. Une semaine plus tard, le 18 juin, on repéra 5e victime dans un ravin du cirque, un homme de 62 ans, officiellement disparu depuis le 10 juin, parisien, marcheur solitaire. Les recherches s'orientèrent alors vers un névé difficile d'accès au pied du cirque. Un 6e corps y fut élitreillé le 28 juillet 2015. Le névé dans sa fonte estivale en rendit un dernier le 15 août 2015, un certain Maxime Flipeau de Montpellier, âgé de 33 ans. Waouh, c'est lugubre quand même, c'est un orage. Alors ça c'est le très grave accident effectivement qu'il y a eu sur le GR20 et bon il n'y en a pas eu quand même, bon, ouais. Catastrophe, mais là ça a vraiment été une catastrophe. Il y a eu plusieurs morts, on est passé en fait, il aurait pu en avoir beaucoup plus, ça s'est joué à quelques minutes. Donc en fait on passe à un moment dans la partie nord, dans ce qu'on appelle le cirque de la solitude, c'est versant ouest, sous la Punta Minuta. Ça fait vraiment comme une espèce de grande conque. Et il y a des échelles, des câbles. Et en fait, donc, il y avait plusieurs équipes. Et le problème, c'est que ça s'est mis à pleuvoir énormément, comme là, comme tout à l'heure. Là. Mmh. Sauf que, bon, ça a été encore plus fort, très violent. Et il y avait un espèce de névé résiduel. Et donc, la pluie a entraîné la chute du névé. Donc, après, ben, donc, dans l'axe, il y avait tout un groupe et c'est là qu'il y a eu cet accident. Voilà. Et en fait, on ne savait même pas qui y avait dessous, comment il y avait. Non, voilà, tout à fait. Alors en Corse, ce qu'il y a, c'est vrai, c'est aussi une particularité de la Corse, c'est que vous avez donc des orages violents et ça dégouline très très vite. Quoi. Donc vous avez des torrents, vous avez des fois des torrents en crue, ça peut être difficile à traverser. Quoi. Ça peut poser des problèmes. Quoi. Mais là, sous la Punta Minuta, c'était vraiment le coin rêvé, puisque ça fait une conque, hein, donc ça a capté toute l'eau qui tombait. Et au milieu de la conque, là, les gens étaient là, ils ont cru bien faire en s'abritant sous un rocher, et en fait, ça a tout embarqué. Et ouais. Voilà. Mais il y a des gens qui disparaissent aussi. Dans le livre, tu parles de gens, on ne sait pas, on ne les a jamais retrouvés, évaporés. Alors, il y a l'histoire d'un banquier suisse, ouais. Effectivement, très étonnante, de Neuchâtel, qui a complètement disparu. Alors là, pour l'instant, on est toujours... Enfin, la famille en a fait son deuil. Elle est considérée comme officiellement mort, je pense que pour des tas de raisons... Mais d'après certains, bon alors après c'est pareil, une disparition, quand on trouve pas le corps en France, on estime que bon, il est toujours en espoir éventuellement. Ouais, il faut 10 ans, ouais, je crois. Le problème c'est qu'il a disparu sur une section très facile en fait du GR20. D'abord c'était un type qui marchait régulièrement, 58 ans, sportif. Et il s'est arrêté à Vite-Savonne, à l'hôtel de Vite-Savonne, et le matin, juste avant de prendre le train, il a dit « je vais faire une promenade, là, un peu vers Capanel, c'est un refuge, là, qui est à quelques heures, et c'est un sentier, bon, tout ce qui est plus banal, c'est une des sections les plus faciles du GR20, et il a disparu, corps et bien, on ne l'a jamais retrouvé. Donc, ils ont cherché pendant 3 semaines, des chiens spécialisés, des chiens chercheurs, des chiens renifleurs... Ils ont fait plusieurs battues, et ainsi de suite. Ils n'ont jamais retrouvé le corps, rien, pas un ossement,
pas un vêtement, rien, absolument rien. Donc la famille a elle aussi fait déclencher des recherches, ils ont fait appel encore à une équipe spécialisée. Et bon, au bout de quelques mois, ils ont dit, on ne sait pas. Donc, il est déclaré officiellement mort, parce que par ailleurs, il y a eu une enquête en Suisse sur ses comptes et sa vie privée. Il n'avait pas de double vie. Apparemment, il n'avait pas disparu avec sa maîtresse ou sa femme. Il n'avait pas de dette, rien. Donc, il n'avait aucun intérêt à disparaître en Amérique du Sud sous une fausse identité. Donc, voilà. Et il n'a pas pu faire une mauvaise rencontre, un chasseur, ou je ne sais pas, on ne sait pas trop. Non, mauvaise rencontre. Ça, c'est le folklore, Georges Hérin, oui, ouais. Celui-là, non. Attends, ouais. Ils tirent pas comme ça, non, au contraire, non. Ils n'ont pas les scopettes. Non, les règlements de compte en Corse, en général, c'est entre Corses. Hein. Non, mais ils ne tirent pas sur les touristes. Oui. Ah, tu vois, un chasseur qui aurait pu. Oui, c'est ça. Et après, qui aurait tout fait pour. Ouais. De toute façon, ce n'est pas la période de chasse. Non, honnêtement, tout le monde s'interroge en Corse. En tout cas, pour la famille, il est mort. Hein. Ouais. Parce qu'ils ont quand même la cartouche facile. Hein. Enfin, moi, j'ai un souvenir d'un 14 juillet en Corse, dans un petit village de la Castagneccia. Le lendemain, il y avait des cartouches partout parce qu'ils tiraient des balles en l'air pour se dire coucou entre les villages. Quoi. Donc, nous, on n'a pas osé sortir. Hein. Ouais. Non, ce qui est vrai, c'est qu'en Corse, il ne faut pas heurter la sensibilité. Moi, je connaissais quelqu'un qui était un écologiste, qui était marié à une Corse. Il est venu s'installer du côté de Belgodère. Et comme bon écologiste, dans le maquis, ramasser les douilles des chasseurs. Ouais, c'est ça, ouais. Et un jour, il est arrivé donc, à l'île Rousse. Il a fait un grand tas au milieu de la place, devant tous les Corses, et il a brûlé les cartouches. Donc les Corses, ouais. Et donc lui, il était contre la chasse, ouais, bien sûr, en tant qu'écologiste. Ouais. Et donc les Corses étaient furieux, parce que la chasse, bon, c'est ce que je dis, c'est quasiment une religion en Corse. Ben oui. Ouais. Et ils habitaient dans un vallon un peu isolé, au-dessus de l'île Rousse, à quelques kilomètres, quoi. Et 6 mois plus tard, donc c'est un vallon extrêmement calme, ils étaient heureux comme tout. 6 mois plus tard, mystérieusement, il y a un bal-trap qui s'est ouvert à 50 mètres de chez eux. Quoi. Et sans arrêt, il y avait pam, 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 pam. Ah ouais. C'était la vengeance des chasseurs. Ouais. Et du coup, ils ont quitté l'île. Quoi. Ouais. Bah après, c'était. Non, c'est vrai qu'en Corse, il faut être. Faut pas, il faut être un peu prudent sur certains sujets. Quoi. C'est peut-être pour ça que tu t'y es pas installé. Bon, il n'y a pas que le vent. C'est, non. Moi, je pense que non. Non, il y a le fait qu'en Corse, c'est cher aussi. Hein, c'est relativement cher. Ah ouais, c'est cher. Et puis après, tu es un peu coincé en Corse. Hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois, tu es obligé de prendre bateau ou avion. Oui, c'est une île, ouais. Et puis, non, en Corse, il y a moyen de trouver. Hein, non, mais là, tu es vraiment coupé du continent le reste de l'année. Pour bosser, des fois, ça pose des problèmes. Pour, c'est vrai. Bah, peut-être ultérieurement, mais. Tu te rapproches tout doucement. Allez, je me rapproche. Est-ce que vous avez des questions? Faut pas hésiter. Hein. Parce que on a une encyclopédie à côté là, qui peut vous répondre. Ah ben sur la Corse, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont peu connues. Ouais. Et, bon, j'en parle dans ce livre, hein. On connaît très mal. C'est-à-dire, en fait, on a toujours les images des plages, Bonifacio, Palombagia. Mmh. En fait, là, pour beaucoup de gens, moi j'avais une amie, c'est assez extraordinaire. C'est pour prouver qu'en fait, pour montrer que comment chacun en fait, ne voit que ce qui l'intéresse. Elle est allée en Corse 2 étés, dans le Cap Corse. Elle y est allée pour se baigner chez un ami, donc il y avait une belle propriété, quoi. Et un jour, je la croise dans les rues de Grenoble, et c'est au mois de mars, je lui dis, je vais en Corse pour faire de la montagne. Elle me dit, mais tu vas faire de la montagne en Corse? Je lui dis, bah oui. Elle me dit, mais il y a des montagnes en Corse. Et ouais. Bon, là, c'est classique. Hein. Ouais. C'est pareil, j'ai une bonne histoire avec un copain sur une brocante. Lui, il cherchait un chapeau, moi, des bouquins, quoi. Donc lui, il voyait constamment les chapeaux. À chaque étalage, il voyait un chapeau, quoi. Il disait, ah tiens, un chapeau. Moi, je voyais pas les chapeaux, je voyais que les bouquins. Ah oui. Donc, c'est constamment comme ça, en fait, dans la vie. Chacun ne voit que ce qui l'intéresse, le reste, totalement aveugle. Toi, c'est les montagnes, de toute façon. Ah bah là, en Corse, moi, je vois que les montagnes, hein, parce que bon, après, non, mais il y a la côte, il y a des beaux coins de côte. Hein. Ouais. Bah, il y a les sentiers côtiers, sentiers de Campo Moro, il y a le désert des Agriates, si vous avez l'occasion de les faire. Moi, ce que je recommande, c'est le hors-saison, en fait, hein, si vous avez la possibilité. Parce que là, en été, quand même, il y a vraiment. Il fait chaud, il y a du monde, c'est plus cher, c'est plus difficile à se loger. Mais une arrière-saison, octobre, ou alors en hiver, pour ceux qui aiment bien
Vous avez des tas de possibilités. Dès que faut juste guetter quoi, les chutes de neige. Des fois, vous avez des grosses chutes de neige. Vous avez un mètre. C'est à ce moment-là. Il faut aller en février, en mars. Un ski de rando. Ski de rando, raquette. Mmh. Vous avez de la belle raquette aussi. Ouais. C'est sympa. Des petits couloirs à 45, c'est pas très dur, hein, mais et d'un coup, alors là, la Corse, pour le coup, là, elle est vraiment transfigurée. Hein, vous avez des, vous pouvez avoir beaucoup de neige hein, sur au mois de mars. Justement, un retour d'Est, là, début mars, un coup de Levante, là, ça vient d'Italie, ça tombe sur la Toscane, ça vient heurter la Corse, et là, vous pouvez avoir 50 à 80 cm. C'est bien. Au-dessus de 1500 mètres. Ah oui. Ouais. Au-dessus de 1500, sur la côte, bon, sur la côte, il neigeote, mais ça tient pas. Quoi. Ouais. Et puis en hiver, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez alterner. Donc, pour ceux qui ne craignent pas l'eau froide, vous pouvez vous baigner quand même. Hein, oui. Dans des plages, sur des plages protégées. Donc ouais, je pense qu'on peut se baigner toute l'année. Moi, au mois de mars, moi, il m'est arrivé de me baigner. On descendait de la montagne, on se baignait. De toute façon, on se lavait dans les torrents. Donc, on se baignait au Cap Corse sans problème. Mmh. Après, non, je sais pas, oui, effectivement, il y a beaucoup de choses à dire sur la Corse. Je pense que c'est un peu la dernière montagne inconnue, entre guillemets, hein, parce que maintenant, ça y est, c'est devenu... vous avez énormément de choses qui sont publiées sur la Corse, sur la montagne Corse. Les Corses, en plus, ils ont pris conscience de la richesse qui était la montagne Corse, ouais. Et ils cherchent à développer. Et bon, heureusement, ils avaient des projets de station de ski. Hein. Mm. Et heureusement, comme l'enneigement est très irrégulier, ça n'a pas débouché, mais heureusement, parce que sinon, il y avait un projet de téléphérique de Corté à 500 mètres qui montait directement vers les pentes du Cardo. Là, il y a une très belle pente là, qui est très enneigée l'hiver, toujours enneigée, mais en dessous il n'y a plus rien. Ah ouais. Mais heureusement, bon, ça n'intéresse pas les promoteurs parce que, pour l'instant, de toute façon, à mon avis, tant que sur la côte il y aura des possibilités de bâtir, ils bâtiront sur la côte, c'est beaucoup plus lucratif. Le foncier a été multiplié par, en 10 ans, ça a été multiplié par 200, 300, etc. Ah oui ? Ah oui, c'est terrible en Corse. Terrible. C'est... C'est-à-dire qu'on est toujours à la recherche de territoires encore plus sauvages, quoi, donc... Le problème, c'est que toute la côte française méditerranéenne, elle a été construite. Donc maintenant, il y a que la Corse où il reste encore des... Alors, le conservatoire du littoral a acheté énormément de terrain. Donc, heureusement, il y a des zones totalement protégées. Mais, donc, il y a les agriates, entre autres, hein, comme Pomoro, et ainsi de suite. Mais, il y a des promoteurs. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent italien, il y a de l'argent russe, il y a de l'argent français... Il y a encore des combines, à partir du moment où vous avez un cousin ou un réseau, n'importe. Ça construit hein, en Corse. Et puis chacun veut aussi sa maison individuelle, hein. c'est l'éternel problème. Comme sur la Costa. Hein. C'est comme à Chamonix, ici, c'est devenu. Enfin, en tout cas, la vallée de l'Arve, c'est impressionnant. Hein. Depuis Cluse. Ça s'est construit énormément. Mais c'est dynamique, il y a aussi des industries, il y a du boulot, il y a de l'emploi. Donc, Après, c'est toujours pareil, bien sûr. Ça attire. Et puis, bon, l'intérêt de la Corse aussi, c'est que c'est tout bête à dire, c'est une île, on prend le bateau. Moi, j'aime bien prendre le bateau, donc voilà. Bah, c'est déjà l'exotisme, quoi, ouais. Ouais, c'est un petit côté exotique. J'ai toujours l'impression de partir très loin quand on prenait le bateau. L'avion, maintenant, c'est tellement banal que, de toute façon, tous les avions se ressemblent. Et paradoxalement, vous savez pas trop... Alors que le bateau, il a encore un petit côté... Vent marin, grand large, transatlantique, transméditerranée, jusqu'à Suez. Avant, vous aviez les messageries maritimes, là, au départ de Marseille, vous alliez jusqu'à Yokohama au Japon, c'était marrant. Mais d'ailleurs, bon, c'est dire à quel point le bateau fait encore rêver, puisqu'ils font des croisières, mais c'est des croisières géantes, là, ils sont à 3 ou 4 000. Mais le bateau fait encore rêver, malgré tout le monde. Plus que l'avion, parce que l'avion, bon, honnêtement, il n'y a plus rien. Sauf pour des petits avions, sur des petits avions, vous avez 30 ou 40 places, c'est sympa, parce que vous êtes encore près du sol, vous voyez pas mal de choses, vous pouvez discuter avec la... Tout le monde est un peu détendu, mais les gros porteurs, c'est fini. Non, c'est vrai. C'est une autre façon de voyager. Plus en douceur, le bateau. Est-ce qu'il y a des questions ?
Pour les refuges, parce que vous conseillez de faire en dehors de juillet-août, et en août, alors, les refuges, ils sont encore ouverts ? Les refuges, en fait, ils ferment pratiquement début octobre, hein, la première semaine d'octobre. Avant, ils fermaient plus tôt, mi-septembre, mais là, c'est première semaine d'octobre. Ils ont encore du monde, hein, jusqu'à la fin septembre. Donc, oui, vous avez encore des possibilités. Après, il faut se renseigner sur place, ça dépend des années. Parce que, bon, là, par exemple, je ne sais pas ce qu'est le temps en Corse, mais si vous avez un automne pourri, il ferme plus tôt, quoi. Ça semble logique. Et dernière semaine de mai, ouais. Deuxième semaine, à partir du 15 mai. Ouais. Donc, mais ça, de toute façon, vous prenez les infos sur place. Hein. Chaque année, ça peut changer. Ouais. Et à mon avis, ouais, vaut mieux prendre, à partir du moment où vous voulez aller en refuge, vaut mieux réserver quand même. Parce que les refuges sont petits. Alors du coup, ils ont fait un système, vous avez des tentes autour, quoi. Alors en fait, en plus, il y a beaucoup de gens qui préfèrent la tente au refuge, parce que pendant longtemps, il y a eu une... Voilà, des punaises de matelas. Les punaises de matelas, c'est douloureux. Et donc, on réserve la tente ou le refuge ? Vous réservez, vous appelez, ils vous demandent, vous voulez dormir en dortoir ou sous tente ? À ce moment-là, vous choisissez. C'est curieux parce qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent la tente ou le dortoir. Donc à chaque fois que j'ai dormi en dortoir, il n'y avait pratiquement personne. C'est marrant. Ouais, c'était sympa. Hein. Mais peut-être parce que la tente, c'est des petites tentes de place, donc il y a plus d'intimité. Ouais. Ça peut être une histoire comme ça. Hein. Mais en septembre, les jours sont assez courts. Hein. Ça tombe vite, je trouve. Non ? Bah en septembre, il faut partir un peu plus tôt, c'est tout. Hein. Mais par contre, vous n'êtes pas fusillé par le soleil. Quoi. Ouais. Honnêtement, déjà, vous avez des versants d'ombre. L'ombre, le soleil est déjà beaucoup plus bas sur l'horizon. C'est un pays de montagne. En versant nord, ça reste... Non, c'est bien. Hein. En septembre, vous n'avez pas trop de coups de chaud. En juin, moi, la dernière fois que je l'ai fait, c'était donc au mois de juin. Alors, la vache. Il y a eu trois coups de sirocco. Enfin, il y en a eu surtout deux très sérieux. Là, vous êtes vraiment... c'est vraiment fatigant. C'est pénible, sans grand intérêt, en fait. Enfin, je veux dire, pénible, ça, il faut forcer, quoi. Donc, c'est pas vraiment le but. Bon, il y en a qui aiment bien forcer, mais là, par exemple, sur le GR20, non. Et en plus, vous avez des belles... vous avez des limpidités fin septembre, début octobre, qui sont... Vous avez la lumière de l'Méditerranée à l'automne, là, c'est magnifique. Eh bien, merci de nous faire rêver et de nous emmener dans ton jardin secret. Soir, ouais. Ah, ouais. Dans ton jardin secret. Si jamais vous voulez faire dédicacer votre livre ou discuter avec Gilles, ben, il est encore là. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, Mira. Merci. Bravo.